Tiens, un souvenir. Il y avait autrefois, au-dessus d'Axtéterme, dans le petit hameau des Bazerques d'en haut, un brave homme surnommé César, César des Bazerques. Or, ce César, braconnier, contrebandier en tout genre, pendant la guerre, s'est trouvé tout naturellement à faire passer les pilotes alliés qui avaient été abattus au sud de la France, à les faire passer en Andorre, puis en Espagne, pour qu'ils puissent regagner Londres. César des Bazerques a fait sa petite résistance tranquille, sans faire de vagues, et à la libération, il n'a rien dit à personne. On l'aurait oublié, César des Bazerques. On l'aurait oublié, sauf que les Anglais, eux, ils n'ont pas oublié. Et ils l'ont invité à Londres, précisément à Buckingham Palace, pour recevoir la Victoria Cross. C'est pas rien, la Victoria Cross, quand même. Par un hasard, il a réussi à monter jusqu'à Buckingham, lui qui avait jamais dépassé Axtéterme. Il est monté jusqu'à Buckingham, il est arrivé là devant la reine, tu sais, il s'est avancé devant la reine avec son beau costume, avec son béret du dimanche, son air de montagnard sûr de lui, sauf qu'il n'a pas à lever le béret. Et le chef du protocole a foré, « Oh, monsieur César, the beret, the beret, the beret !» Et lui, rien. Comme elle n'était pas bégueule, la reine, elle lui a quand même donné sa médaille. Mais quand il est revenu à Aix, on lui a dit, « Enfin, César, tout de même, t'as même pas levé le béret devant la reine, ça se fait pas, tu vas nous faire passer pour des gougnafiers, allons, César !» Eh bien là, devant le peuple d'Aix amassé, il a eu cette réponse sublime que vous pouvez vous mettre derrière l'oreille. Il les a regardés, il a dit « Enlevez le béret !» Et elle a enlevé sa couronne. Et voilà, bonne chance. Ça, c'était un gars de là-haut. Santé, intelligence et vive César !